Salut à tous, on revient sur Doom, j'allais dire Darksiders, on revient sur Doom Eternal. Doom Eternal, où on vient d'arriver sur Mars. On doit aller atteindre un portail pour aller claquer la gueule du dernier Daeg, en l'occurrence. Son joli nom, Daeg Grave. Ouais, c'est grave. Oh oh oh, allez, c'est parti. Donc, on a une zone. Ici, on va aller, on peut jeter un coup d'œil derrière ce qu'il y a, mais il n'y a pas grand-chose là. Voilà, on a atterri ici, la navette là. Plus grand-chose en... Oh, celui-là, cadeau. Celui-là, c'est cadeau. On a un autre... Putain, on a plusieurs choses à la suite là. La cité perdue des bêtes. Allez, on va aller se faire une petite instruction. Parmi la longue et immuable histoire de la civilisation Sentinelle, se trouvent des moments où l'Antiquité, de l'Antiquité ensevelie dans le temps, des chapitres oubliés de l'historien Sentinelle. Attendant les découvertes, la cité perdue des bêtes, oubliée dans les tomes des héritages passés, en est un. Autrefois, cité populaire prospère, témoin éclatant des conquêtes de la tribu lointaine des Bétiens dans le monde extérieur. Un téléporteur dimensionnel relia les villes sentinelles disparates, mais cette ville n'était pas vouée à perdurer et fut victime du sacrifice de croisade des sentinelles. Il n'en reste aujourd'hui que quelques ruines fumantes. Ok, et bah c'est parti. On va aller voir un peu tout ça. Ici, on va avoir un. Bah juste après là. C'est juste derrière? Pas besoin. Et là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On en a trois. Alors, trois pour trois, on peut. Le rechargement emprunté est plus rapide. Ennemi auquel on inflige des dégâts. Okay. Mais non, mais plus rapide. J'aime bien quand ça répond vite, moi. Voilà. Pour l'instant, je me sens plutôt pas mal à ce niveau-là. Là, on a tout. Et on va rentrer dans une zone de guerre. Si je peux les finir comme ça, moi perso. Tu recherches pas? Tu veux pas? Ah merde. Ah merde! Allez, t'es où toi? T'es où?
Tiens. Tac. Voilà. Ça c'est fait. Bam. Mais ils sont combien, bordel de merde? Oh putain, j'ai rien d'autre. Dégâts critiques. La vache, putain, mais ils sont combien? Wow! Impressionnant! Ok, j'ai que du fusil à pompe de dispo. On fait un petit tour. Voilà, du plasma. Ça, ça me va aussi. C'est vrai que j'aurais pu utiliser la tronçonneuse pour le prochain. Je me permettrai. Ok. Bon bah on a fait le tour. Tout récupéré. Alors tout récupéré, est-ce que oui tout récupéré? Oui tout récupéré et on va pouvoir recharger ici. Sautez les enfants.
Voilà. Alors, rien par là. Rien dans le secteur, hein. Vraiment aucun objet. Ce portail vous conduira à Sentinel Prime, où le prêtre de l'enfer des graves attend. Et on arrive sur Sentinel Prime. Aucun rapport avec les Autobots, évidemment. Bienvenue chez vous, Grand Slayer. Prévenez le prêtre. Alors, toute cette arrivée, j'ai l'impression qu'on va se payer des ennemis en plus dans pas longtemps. Oula, il y a plein de choses. Tout ça. Dans la vallée, pas loin, près de la muraille du château. Il était grièvement blessé et il portait ça. Des tripes énormes. Les tuer. Je dois les tuer tous. Il peut encore se battre. Malgré toutes ses blessures. Envoyez-le dans l'arène, qu'il soit jugé comme les autres. Histoire des sentinelles. Alors, c'est la partie 3. Ça va apporter une nouvelle clarté au royaume disparate. Oh putain, il est trop long. Ok. Ah, j'y porte un équipement inadéquat pour notre terre et des munitions d'origine magique. Nous vîmes sa volonté passer avec des blessures et prouva la valeur. Tac, donc c'est toute l'origine du Slayer. Je veux t'offrir. Ô grand et puissant être, un gage de trêve. La veille de l'étoile noire. Les obscurs surgèrent d'un monde inférieur au nôtre, non par des vaisseaux, des engins fémins, mais par des tissus de dimension. Des bêtes cornues d'un royaume intemporel surgit d'un tourbillon de portails rougeoyants. D'abord une, puis plusieurs vagues maléfiques vinrent s'écraser dans la forêt obsidienne. Tac.
Debeth lance à la main la puissance de la flotte Saint-Reliquant contre les démons, mais les sombres portes attaquent effectivement et ils ont pris une branlée. Ok. Je sais tout ce que tu as sacrifié. Alors retourne-y. Abandonne cette croisade. Tu ne peux pas les sauver. Ils me l'ont demandé. Alors je le leur donne. Si tu laisses au prêtre la vie sauve, alors je te restituerai ce que les démons t'ont pris il y a bien longtemps. Il te suffit de faire marche arrière, et tout cela sera de nouveau à toi. Toute la douleur en toi disparaîtra. Elle veut vraiment pas qu'on avance. On pourrait pas lui dire, oh bah ouais, ok, d'accord, je retourne en arrière. Ciao. Il y en a encore beaucoup des histoires là? Canmaker exigea un tribut d'essence. Les prêtres se plièrent à sa volonté. Lord des Degs s'entraîna avec le roi à propos des terres abondantes dissimulées derrière la fissure de la création, la purgine dans des nouveaux envahisseurs. Nanana. L'étranger, un inconnu qui avait traversé des endroits dont on n'avait jamais entendu parler pour nous retrouver, celui qui avait survécu au front bien plus longtemps que n'importe quel prisonnier sentinelle. Tac, une passion pour le combat, ferveur attirer l'attention des inquisiteurs de la garde sentinelle. D'aucuns murmurant qu'il était secrètement allié aux démons. Le roi Novik l'estima digne d'être choisi, les signifiants présentèrent à une assemblée notre roi et félicitèrent qu'il serait extirpé de la populace. Les joueurs étrangers dignes de suivre leur entraînement, nombreux disciples chinières, astronisés aux maîtrises codifiées de leur ordre, les anciennes leçons du combat, etc. Satisfait de voir qu'il ne serait pas un fardeau pour leurs exploits, les sentinelles nocturnes lui accordèrent son souhait tandis qu'elles traversaient les portails infernaux. L'étranger dans leur sillage. Ils ne connurent aucun repos, bravant les éléments surnaturels et s'entraînant dans un clair de lune sanglant. L'étranger était épuisé, blessé, malade, mais ne demanda aucune aide et n'en reçut aucune. Trois fois les sentinelles nocturnes traversèrent le portail et trois fois l'étranger revint plus puissant que la fois précédente. Sa posture calquée sur la marge sentinelle, une soif de sang démoniaque discipliné et désormais contrôlé, bouillonnant sans cesse dans ses veines. Les années passantes et les combats innombrables face aux démons menèrent l'étranger à devenir la pupille des plus puissants guerriers argentiens. Et jamais ils ne le toisèrent comme ils le faisaient avec le sang neuf, car à leurs yeux, il était devenu un frère d'âme forgé dans les flammes de la guerre, un allié et une arme. Salut toi. Il y en a une autre là? Ok, celui-là il est en dessous. Ah là 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 là! C'est nous ne pûmes contenir les démons émergents du royaume des ténèbres. Ah, ça c'était un ancien. Des créatures immondes, les préparant à en capturer plusieurs, identifier la source de le pouvoir. C'est alors que fut découvert l'essence du royaume des ténèbres, proche en quelques points d'une autre. Ce pouvoir était l'essence vitale parcourant leur forme abjecte. Et ordonna aux prêtres d'approfondir leur compréhension des mystères d'Elixir écarlate du royaume démoniaque, car ils ne pensaient qu'à restaurer l'équilibre de notre univers. Ils ne l'avaient plus qu'ils ne l'avaient espéré. Ils apprirent la véritable nature de l'énergie démoniaque, comment elle pouvait renforcer les quelques élus capables de maîtriser sa puissance, l'énergie parcourant les différentes formes. Ouais, du coup. Tac, et il faut remonter. Alors, pendant qu'elle parle... Sans leurs armes, il n'y aurait pas d'énergie infernale et l'argent cesserait de couler. Je ne peux pas le permettre.
Tu ne gêneras pas la progression d'Urdak. C'est ainsi qu'il en a toujours été. Ce n'est pas à toi de nous priver de notre chance de prospérité. Ouais, enfin bon, hein, bon. La partie là. Traduction. Et tandis que nous affrontions les bêtes, la société argentienne grandissait sous l'œil scrutateur des Makers. Et dans la puissance infinie de l'essence, nos généraux tombaient dans une guerre impie. Notre culture fut transformée par la magnifique potion que l'ennemi nous offrit, le 12 élixir. Grâce à lui, nos pouvoirs devinrent illimités. Et nous pûmes atteindre des dimensions que nous pensions à jamais hors de portée. Sous l'égide de nos dieux Makers. Et grâce au génie de nos eaux prêtes, nos armes s'embrasèrent et nos machines de guerre rugirent. La populace but à pleine gorgée à ce puits d'énergie mis à jour par les prêtres, mais nous, les sentinelles nocturnes, ne participâmes aucunement à leur festin. Certains parmi nous murmuraient des accusations et des avertissements contre ce type de progrès, mais ils furent rabroués car notre rôle n'était pas de dicter l'avenir de notre peuple, mais seulement de le défendre. Ok. Sur la carte, il faut monter. Les sentinelles, ça fait un peu templier, non ? Alors, tandis que l'étoile noire s'élevait à son zénith, le roi Novik trônait sans répit alors que les ténèbres hurlantes commençaient à s'installer au-delà. Oh là là là. Le massacre des démons tapis dans l'ombre grandissant, les mondes créatures vivacillent la cité jusqu'à son cœur. La sentinelle nocturne se rassemblait à l'état en bon face aux démons, bien qu'elle fût repoussée, Tatax, d'un côté de leurs frères, ils s'étaient élevés dans les sphères des personnages. La nuit infernale avait beau avoir été annihilée sous leur assaut, le titan n'en restait pas moins invincible car personne ne pouvait dompter ce géant seul. Ah, je voudrais un mecha. Si on fit avant laquelle la congrégation nous avait mis en garde, le héros qui sommet serait celui qu'on appelle le Grand Slayer, l'arpenteur du temps, le guerrier Khan dont l'épée ardente embraserait les voies des justes et trancherait les rangs démoniaques d'une vengeance que seul l'ire d'un dieu roi pourrait conjurer. Il se redressa, survivant du rituel, ses yeux brûlants de la magie Maker, il empoigna le creuset et le feu spectral jaillit de sa lame, signe annonciateur de l'apparition d'un véritable roi guerrier des sentinelles. En osant les plus sombres, le Slayer fut choisi, rejetant toute tradition, de lois les plus sacrées et la volonté de la grande canne elle-même. Un étranger fut béni de la puissance céleste. Ok. Je ne te regarderai pas mettre notre avenir en péril. La terre sera consumée. Et l'énergie continuera de couler. C'est la survie de ton peuple entre celle du mien. Bah oui, mais non. Il reste le plus puissant des prêtres de l'enfer parmi la population d'argent nueur. Ils se rendent régulièrement sur son ancien monde pour leur rappeler qu'il est à leur tête. Arrogant et pompeux, Grave organise des épreuves sanglantes dans l'arène pour divertir les citoyens. Ouh, ça sent mauvais ça. Il opérait à la surface avec les autres prêtres de l'enfer pour diriger les forces infernales, mais il a fini par se réfugier dans l'arène après la mort de Degnilox et Degranak. C'est lui qui facilita le tourment du commandant Valen et provoqua sa trahison, qui prit les clés du sépulcre des éléments et qui ouvrit le caveau des esprits endormis. Ces anciennes créatures furent enlevées, emmenées en enfer, puis torturées pour siphonner leur puissance. Il utilisa également le cœur du fils de Valen pour animer l'icône du péché, un titan légendaire d'argent nur. Ok. Rien d'autre à prendre, j'ai rien loupé. Ok. Gladiateur.
Dans les années qui suivirent la fin de l'âge d'or, des fractions concurrentes d'argent dur s'affrontèrent. Une présence insidieuse s'était infiltrée parmi les sentinelles, corrompant tradition, autrefois considérée comme sacrée, le Colisée. Ils y testaient leur force au cours de combats honorables pour obtenir le droit de se battre en première ligne dans l'armée, et désormais devenu un endroit où se déroulent des épreuves sanglantes. Les prêtres y ont mis un démon en cage, un exécuteur sans pitié, faisant aussi bien office de juge que de bourreau, avec son bouclier maudit qui garde emprisonné l'âme de son maître immortel, restant avec lui en combat et célèbre pour ses nombreuses victimes. En gros, ça pue. Bon bah. Tu compléteras parfaitement nos lignes de front, étranger. Les démons, ils sont partout. Je dois tous les tuer. Pansez ces blessures et ramenez le nom. Je veux en savoir plus sur ceux dont il nous a parlé. Oui, Majesté. Si une seule goutte de sang d'une sentinelle entache ces terres, vous perdrez à jamais toute souveraineté ici. Les yeux du bouclier deviennent verts lorsque le gladiateur est sur le point d'attaquer. Tirez-lui dessus lorsque les yeux sont verts pour l'étourdir et créer une ouverture. Wouah! Putain, mais c'est Mais je lui tire dessus, bordel. Putain, mais c'est pas vrai! Ah, le bouclier, il faut lui éclater le bouclier, quoi.
Waouh. Il a bien mis tirer lui dessus pour l'étourdir. C'est impressionnant, c'est Et je lui tire au-dessus. Ok. Ah, faut lui tirer dessus, mais avec un truc lourd, quoi. Voilà. T'inquiète mon gros, je vais t'avoir. Voilà, bah quand ça marche comme ça, c'est mieux. Maintenant, il n'y a plus que tous les deux. Sans son bouclier, il est plus agressif et utilise de plus grandes variétés d'attaques. Lorsqu'il fait tourner l'un de ses fléaux, il renverra les attaques du Slayer. Lorsque les yeux clignotent en vert, c'est qu'il s'apprête à frapper. Wouah! Putain, mais la distance!
Putain, il est chaud. Je me disais, c'était trop facile. Allez, allez. Oh, j'en ai plus. Waouh, mais c'est c'est impossible à faire. Allez, allez, allez. A pu. Cela ne change rien. La Terre sera réduite à néant. Peu importe ce qu'il boit. Lucille. Le portail est prêt. Nous devrions vite partir. Yes! Ça fait un bel épisode. Frappe sanglante améliorée. Les démons massifs super glockés permettent de charger instantanément une frappe sanglante. Ah, génial! Tout est fait! Tout est fait! Et on va se faire une petite. Des petites améliorations. Un petit tour dans la forteresse. Cet épisode était un peu plus long. Mais. C'est pas grave. Beaucoup à montrer dedans. On n'allait pas couper comme ça. La Canmaker a surchargé vos systèmes. Vega ne contrôle absolument plus rien. Si tu n'avais pas interrompu la moisson, la race humaine que tu t'acharnes tant à protéger aurait survécu. Maintenant, je vais ressusciter l'icône du péché. Elle dévorera la Terre et ne laissera que des ruines de ce monde. La vie sur ta planète ne reviendra jamais. Toi seul seras responsable et tu auras alors conduit un autre monde à sa perte. Cette forteresse sera désormais ta prison. Sans pouvoir, tu ne peux pas entraver notre mission. Et nous pourrons continuer l'œuvre qui doit être accomplie. Bon, on va se finir ça.
On va restaurer l'alimentation du vaisseau, finir ça. Elle ignorait que vous disposiez du creuset des maniaques. Au final, la source énergétique que vous cherchiez à éradiquer de la Terre est aujourd'hui ce qui vous aide à la sauver. La mission sur Sentinel Prime est un succès. L'emprise démoniaque sur la Terre a disparu. Seule la lame de creuset d'un Slayer peut venir à bout d'un titan. Vous devez atteindre la cité Sentinelle de Taras Nabab pour retrouver votre creuset avant qu'il ne soit trop tard. Sans lui, rien n'arrêtera le titan. Paramétrage du portail vers Taras Nabab. Ok, on va aller faire un petit tour dans la forteresse. Alors, là, les améliorations. Les améliorations. On va descendre. Donc là, c'est demi-tour. Demi-tour. À gauche, là, il y a... Mais non, ouvre-toi, enfin, ouvre-toi. Allez. Voilà. Là, il y a des choses. Apparence personnalisée. Vous avez débloqué une apparence personnalisée pour le Slayer. Ouais, ok. Ok, c'est juste ça. D'accord. Et rien d'autre. Mais il y a des choses à découvrir en plus. Eh ben on fera ça sur le prochain épisode. Voilà, je vous dis rendez-vous au prochain, l'épisode était très très long. À plus.